Le vaccin AstraZeneca est un vaccin pour moi comme un autre. Il est validé, j'ai confiance et je le fais. Le vaccin est une excellente formule, c'est même la seule qu'on ait actuellement pour un retour à la vie normale. Il va protéger nos services de réanimation, va protéger nos hôpitaux des formes graves, va protéger les gens. C'est la mission de la vaccination. Nous nous trouvons au centre de vaccination de Percy. Nous sommes dimensionnés pour accueillir 1000 personnes vaccinables par jour. Dans ce centre, nous accueillons des professions désignées par les autorités sanitaires. Aujourd'hui, ce sont des enseignants, ce sont des policiers, gendarmes, des professionnels de la petite enfance. Les populations cibles spécifiques sont vaccinées à AstraZeneca. Les effets secondaires d'AstraZeneca, type douleur au point d'injection, syndrome grippal, sont tout à fait classiques et souvent communs à certains vaccins. L'ensemble des autres effets secondaires sont rarissimes. En termes d'organisation sur les centres de vaccination, les gens voient un médecin, ont une consultation d'éligibilité. Et tout est fait pour que la vaccination se passe sous les meilleurs auspices. À la fin de la vaccination, il y a toujours une surveillance de 15 minutes qui est opérée sur le site dans une tente extérieure. Et puis, les patients ensuite rentrent chez eux. J'ai décidé de me faire vacciner parce que j'ai un métier de relations humaines dans l'éducation nationale. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin pour moi comme un autre. Il est validé, j'ai confiance et je le fais. Je viens de me faire vacciner il y a quelques minutes. Pour l'instant, tout va bien. Ça s'est très très bien passé. Les gens sont agréables et ça me semble très très efficace. Je pense que AstraZeneca est un vaccin comme un autre. Voilà, qui est passé par des filtres sanitaires, de sécurité, de contrôle. Et donc, j'ai aucun doute sur le sujet. Il faut absolument se vacciner pour se protéger contre les formes graves et protéger les gens qui sont dans l'environnement, en limitant tout de même le portage, la transmission de ce virus.